super axé. Écoute, j'ai super axé. Le jambon, le beau gros jambon dans la fesse, là, comme je t'ai dit tantôt. Mais lui, là, il était à 1,99 la livre. Ou si tu préfères, 4,39 le kilo. Là, c'est sûr que versus le 2,49 chez Metro, là, tu l'as à 1,99, c'est sûr que c'est le meilleur prix là, pour ce jambon-là, cette qualité de jambon-là, avec l'os et tout. Là, moi, je préfère celui-là au toupie. Hein, je sais pas, là, tu sais, la texture, la viande, la fibre, c'est la vraie fibre, tandis qu'une toupie, ben, c'est un assemblage, là, c'est sûr que c'est la viande. Là, c'est pas une boulette, là, quand même, une toupie, c'est de la vraie viande, mais quand même, on, je sais que c'est une façon de faire pour que ça fasse une toupie. Tandis que là, c'est vraiment le morceau, là, tu sais, c'est le vrai morceau, il n'a pas été transformé, rien de ça. Donc, c'est sûr que c'est le top, top. Puis là, ce prix-là, c'est vraiment le meilleur prix cette semaine pour Pâques, cette année, c'est chez Super C, qu'on a de super jambon en fesse, la classe. Là. J'espère qu'on va en avoir, s'il vous plaît. Aussi, chez Super C, qu'est-ce qu'on trouve? Ben oui, du beefsteak de contre-filet. Le contre-filet, là, ça, c'est un bon petit steak à M. Tchaiko, cette petite grillade. Ben, tu peux faire sa cuisinière aussi, mais tu sais, ça, c'est des steaks dans le loyau, des T-bones, beefsteak de côte, de faux filet, contre-filet. C'est le fun, tu le Tchaiko. Là, tu fais saisir ça, là, puis tu le mets saigner un petit peu. Là, c'est tellement bon. Il est à combien? Il est à 5,99 la livre, ou si tu préfères, 13,21 le kilo pour hein, du bon beefsteak de contre-filet. C'est chez Super C que ça se passe, donc. Encore là, on espère qu'il y en a. Aussi, qu'est-ce qu'on trouve chez Super C? Ben, le rôti du roi. Bon, rôti du roi bardé, 3,28 la livre, c'est son prix pas mal. Mais je l'aime quand il est à 2,99, là, ça c'est top top. Mais quand même, à 3,28, là, ça vaut plus que le double. Ou 8,55 le kilo pour cette belle protéine-là. Il n'y a pas de gras, c'est super maigre. Tu peux faire des cubes, des lanières, des rôtis avec ça. Tu peux faire des steaks, des tournes d'eau là, avec ça. Donc c'est parfait. Fait qu'écoute, profite-en. Parce que c'est ça qui est ça pour chez Super C cette semaine. Hein? Écoute, c'est important, là, si vraiment t'aimes la petite vidéo de Papa Papa, ben partage ça pour que tout le monde qui vit au Québec ait la chance de voir la petite vidéo de Papa Papa. Premièrement, ça peut te faire sourire un petit peu, te donner des idées de repas, puis surtout, te faire économiser énormément. Puis surtout, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, hein, à l'abonnement VIP de Papa Papa, parce que là, tu as vraiment ma liste. C'est comme mon circulaire, Papa Popote, là. Tu l'as avec toutes les images que j'y mets moi-même, puis tous les prix. Tu sais comment ça coûte versus le prix régulier, tu sais. Ça te montre vraiment, puis ça t'apprend aussi à voir les vrais rabais quand t'es, tu sais, les reconnaître quand t'es voué, c'est bien important. Puis surtout, hey, vois vraiment t'abonner à ma chaîne YouTube, parce que la chaîne YouTube, c'est là que je peux faire des playlists, puis que tu peux choisir juste la vidéo que tu veux voir. Tu vois juste les GA, tu vois juste Provigo, Super C, tu sais. Fait que ça, c'est par YouTube, ça se passe, c'est plus facile comme ça. Fait que, écoute, n'hésite pas à t'abonner, c'est sûr. Puis, hein, dernier petit conseil, bien sûr, fais attention à toi, suis les hein, lave-toi les mains, reste à la maison, mets pas de masque. Hein. Moi, je te conseille pas de mettre des masques, hein. À moins que tu sois malade. Mais si t'es pas malade, tu portes un masque, bien, c'est sûr que là, tu t'exposes encore plus à la poignée de la maladie avec un masque sans masque. Ça, c'est sûr. Le masque, ça ne sert pas à rien, rien, rien pour te protéger. Ça sert juste à protéger les autres. Si tu es malade, mets un masque. Si tu n'es pas malade, mais surtout pas de masque, OK? Fait que, écoute, c'est ça qui est ça cette semaine. Fait que je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une bonne semaine. Surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Attention! Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote.